Voilà, comme je trouve pas les mots, alors j'ai décidé de me filmer. Voilà, juste pour vous dire que je suis très, très, très en colère avec moi-même. Voilà, je vais vous dire. J'ai quitté ma Tunisie natale à cause des Arabes. Ils n'ont pas arrêté de me traiter de sale juive depuis l'âge de 10 ans. Chaque fois que j'allais en bicyclette de Tunis à Lagouled, je recevais des pierres. Des pierres, pourquoi? Yaoudia Kelb. Yaoudia Kelb. C'est incroyable. J'ai grandi avec ça. Et Baki nous disent, mais pourquoi vous êtes parti? On vous aime. Pourquoi vous revenez pas? Bon, d'accord, allez, on est parti. 40 ans après, Aoudia Daoud, je quitte la France parce qu'on me traite de sale juif. Impossible de passer au boulevard Voltaire sans qu'on ne me traite pas de sale juif, etc. Je passe dans des écoles. Je trouve des militaires, on dirait que nous, on va nous tuer tout à l'heure, on va nous tuer hier. C'est incroyable. Alors ça y est, j'ai décidé de quitter la France. Où je suis parti, d'après vous? Je suis parti en Israël. Impossible de m'asseoir dans un café sans risquer ma vie. Je risque tous les jours de me faire tuer par encore ces Arabes. C'est quoi cette histoire-là? J'ai 62 ans, ça fait, j'ai fait trois pays. Trois pays qui veulent me tuer. J'ai jamais rien fait de mal. On m'accuse de tous les maux. On m'accuse de tout. C'est de la folie. En Tunisie, j'étais un bon citoyen. On m'a interdit de faire l'armée, parce que les juifs, ils n'ont pas le droit de faire l'armée. C'est des sous-individus. En France, combien de millions, combien de centaines de millions d'URSSAF, de gardes, de trucs, combien j'ai fait marcher le tissu industriel, des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Comme ça, en rien, on me dit, allez, s'il vous plaît, sale juif. C'est incroyable, j'habite Place de la Nation, tous les jours, Palestine libre, tous les jours, il y a des morts en Syrie. Il y a des morts, des trucs. Non, il faut que le moindre blessé, la moindre égratignure d'un Palestinien qui n'existe même pas, eh ben non, c'est la faute d'Israël. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai changé trois fois de pays. Bon, j'ai dit à ma femme, peut-être qu'on va aller voir à Tahiti si tout va bien. Ou alors peut-être en Australie. Alors, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit non, c'est pas vrai. Là-bas aussi, c'est le même problème. Il y a des Arabes qui vont nous jeter des trucs. Alors, j'ai dit bon, allez, peut-être on va changer de religion. J'en ai marre de me faire traiter de sale juif. J'en ai marre de me faire traiter d'assassin. J'en ai marre. C'est incroyable. Bon, allez, c'est fini. J'avais envie de me dégager.